Salut, salut la gang, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée du petit retard, j'ai eu un petit retard technique, donc avec une invitée, ça demande une petite technique un petit peu plus élaborée que j'expérimente présentement, mais je suis super excitée et emballée de te présenter mon allié de taille. Mon partner en crime, celle qui m'a aidée à prendre soin de moi, celle qui m'a montré comment faire, celle qui m'a guidée dans les rouages de l'entreprise Mary Kay. Donc, écoute, fais-moi un petit hashtag coucou quand t'arrives, hein, pour que je sache que t'es là. Puis comme je passe à travers une application, écris-moi ton nom. Ça va me faire plaisir là, pour que je puisse voir justement qui est là, qui est live avec moi. Donc, je me présente, je suis Nancy Sainte-Marie, je suis conseillère et directrice avec les cosmétiques Mary Kay. Ma mission, c'est d'aider les femmes à prendre soin d'elles et à découvrir ou même redécouvrir leur beauté naturelle. Et c'est grâce à mes cosmétiques Mary Kay qui sont cotés en dermocosmétologie, qui sont abordables et qui ont la garantie 100% satisfaction. Avec tout ça, je suis sûre qu'on va t'aider à trouver ta recette parfaite. Mais aujourd'hui, étonnamment, on jasera pas de make-up. Alors, je vais vous inviter à accueillir avec moi Madame Monia Morency. La voilà. Allô? Merci, merci, Caroline, ça va bien? Oui, merci d'avoir de prendre ton temps et d'avoir répondu oui à l'invitation. Puis je suis en train de dire à mon monde que là, on va être complètement hors sujet, entre guillemets, parce qu'on est sur une page de make-up, puis on jasera pas C'est correct, ça. On en prend des comme ça. make-up. Ça n'en prend des comme ça, puis je t'ai présenté en disant que tu étais ma partner en crime. Ouais. Je suis gâtée, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. On a tellement de belles complicités toutes les deux ensemble, là. C'est vrai qu'on a développé un beau lien d'amitié parce que c'est toi qui m'a montré à prendre soin de ma peau. Je faisais rien, hein, tu te souviens? Je faisais rien. Non, je me souviens pas, hein? Non! Mais oui, je faisais rien. Tu as pris le temps, tu m'as éduqué, tu m'as montré à me servir de mes outils, puis de ma beauté naturelle et tout ça maintenant est vraiment bien rehaussé. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment que tu nous jases, c'est que Mary Kay, c'est vraiment au-delà des outils pour se mettre belle, se sentir bien. C'est vraiment un apprentissage d'être. Puis j'aimerais ça que tu nous jases. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, Mary Kay, dans ton cheminement professionnel, et mais aussi personnel, parce que ça, c'est le fun à connaître aussi, là. Oui. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Écoute, bien, premièrement, moi, j'ai commencé Mary Kay en 2010, en décembre 2010. À l'époque, c'était une remise en question de mes. Je venais d'avoir 39 ans. Oh, je viens de dire mon âge. C'est pas grave. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de cachette. Et puis, c'est ça. Moi, j'étais à la maison, je m'occupais des enfants à la maison, je coiffais, j'ai mon cours d'esthétique coiffure. C'est sûr que je suis dans le domaine. Mais c'est Okay. ça. J'ai eu une remise en question, puis à ce moment-là, j'ai demandé à mes guides. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très spirituel. J'ai demandé à mes guides de m'aider, de me guider vers. Ça fonctionne ça encore? Oui, OK, parfait. Excuse-moi. OK, j'ai rien dit. J'ai demandé à mes guides de me guider, et puis, tu sais, ça, Mary Kay est arrivé à moi. Puis au tout début, quand j'ai commencé, c'est sûr que quand on commence une aventure comme ça, ben Mary Kay, c'est cosmétique. Fait que dans notre tête, c'est vraiment les cosmétiques, c'est ça. Puis on pense aussi le fait que bon, c'est un paquet de femmes. Fait que là, tu te dis, ouais, un paquet de femmes, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de jalousie et tout. Oui. J'aime ça le dire, je trouve ça important parce que nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça, puis on ressent pas ça. Fait que quand j'ai commencé, prime abord, je m'attendais à tout.
Mais finalement, Colin, c'est au-delà des cosmétiques, comme tu le dis, Nancy, parce que c'est vraiment l'enrichissement personnel. C'est vraiment un travail sur soi. Fait que c'est ça. Bien, ça, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça. Y a-t-il un point en particulier que toi, ça t'a aidé au point de vue personnel, que Mary Kay t'a aidé à cheminer? Si tu avais juste un point à nous partager, ce serait lequel? Oh my God! Premièrement, là, un point, moi, j'étais hyper gênée. OK! Toi, ça! Oui! Hyper pognée, gênée, avoir de la misère à parler en public, écoute, là, t'es gênée comme ça. Fait que ça, c'est un point. C'est un gros point, hein? Ben oui, parce qu'on dirait pas ça, là, aujourd'hui, t'es très à l'aise, super belle, très à l'aise devant la caméra même, de plus en plus à l'aise, parce que là, on développe le direct, le numérique, tout ça, puis là, tabarouette, non, vraiment, on dirait pas que t'es une fille qui était mal à l'aise de t'adresser aux gens. Oui, puis je te dirais aussi que moi, j'étais pas une leader, tellement j'avais pas confiance en moi, j'aurais jamais pensé devenir directrice. Pour moi, devenir directrice, c'était impensable. Je me disais, non, non, le monde ne me suivra pas. Je ne suis pas une leader. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui va influencer les autres. Mais... Puis là, tu es directrice depuis quand? C'est quoi qu'est-ce que tu as... C'est quoi tes accomplissements? J'ai amené mon équipe 4 fois dans le cercle de l'élite. Je suis directrice depuis avril 2012. Le 1er avril 2012. J'ai eu ma première voiture de carrière aussi à ce moment-là. J'ai terminé au mois de mars ma première voiture de carrière. Après ça, j'ai eu 4 ou 5 voitures. J'ai compté plus, Colin. 4 ou 5. Mais en tout cas, j'ai toujours eu des autos. Là. J'ai toujours eu des autos que la compagnie nous loue pendant 2 ans. Puis après ça, on se requalifie pour une autre voiture et tout. Et puis, j'ai amené mon équipe 4 fois dans le cercle de l'élite, dont 2 fois pour le 300 000 et 2 fois pour le 350 000. Wow! Alors, ouais, c'est une belle vie. Wow! C'est des beaux accomplissements, puis c'est des choses que j'imagine qu'on ne pense pas être capable de réaliser ou on n'a même pas l'idée qu'on peut faire ça. Tu sais, quand t'as joint pourquoi toi, Mary Kay? Moi, j'ai besoin, là, parce que je faisais de la coiffure, puis pour moi, coiffer quelqu'un sans qu'elle soit maquillée, c'était impensable. Fait que moi, les clients qui venaient chez nous étaient très gâtés parce qu'ils ressortaient maquillés. Il y avait un 2 dans 1, puis écoute, c'était le maquillage, la coiffure, puis. Mais j'avais pas. Tu sais, je prenais mon maquillage avec tout, là. Et mon Dieu, pourquoi j'ai ça trop fort, là? fait que là, tandis que là, ben, le but, c'était d'avoir ma ligne de maquillage, de pouvoir. Okay. Produits et non pas de les amener à la pharmacie puis de les vendre les produits de la pharmacie. OK. Donc, ça allait évoluer dans le temps. Pourquoi a vraiment évolué dans le temps? Ah oui, 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 ça a vraiment évolué, là, c'est sûr. C'est sûr. Je fais encore de la coiffure un peu, mais tu sais, beaucoup moins, là, parce que j'aime ça, parce que j'aime la coiffure puis j'aime la métamorphose beaucoup. Fait que je continue quand même un peu, mais en étant directrice, c'est sûr que je m'occupe plus de choses, là, je veux pas, non? On est une équipe, hein? C'est le fun! C'est le fun! Oui, oh oui, c'est cool. Les gens. Hein, d'aider les femmes quand même à s'accomplir, c'est ça qu'on veut. Oui, oui. Ben, écoute, je pense qu'on va devoir te réinviter pour que tu nous en parles un petit peu plus parce que on pourrait jaser encore des heures et des heures. Mais moi, ce que je vais inviter les gens à faire, c'est de me poser des questions justement en commentaire. En écrivant ton nom, parce que dans BeLive, je vois pas qui commente. Donc, puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Puis si je connais pas la réponse, ben je vais la poser à notre invité. Mais merci d'avoir accepté mon invitation, Monia. Puis sais-tu quoi? Ce mois-ci, jusqu'au 31 août, je fais tirer. Imagine-toi donc, regarde, j'ai préparé. Oh! Ça veut dire que je peux gagner ça, Nancy? Non! Toi, tu peux pas le gagner, mais toutes celles qui vont commenter hashtag cadeau pour panier cadeau, puis qui vont prendre un petit 15 minutes avec moi pour écouter c'est quoi les avantages d'être une conseillère. Parce que ce qui est le fun avec Mary Kay, comme Monia l'a dit, c'est que ça évolue à travers le temps. Puis ça peut, tu peux être à plein d'endroits dans ta vie avec Mary Kay, dans le sens que ça peut être juste un moment pour toi, ça peut être quelque chose que tu fais juste pour toi. Ça peut être quelque chose que tu veux partager avec des intimes autour de toi. Ça peut être un revenu d'appoint.
Et tout ça peut se transformer en carrière, mais tu sais, c'est rare que les filles arrivent et disent « moi, je veux faire la carrière ». Avoue que c'est rare. C'est rare, mais la seule qualité que ça prend, c'est tu sais quoi? Instruis-nous. La seule qualité que ça prend, les filles, pour être dans Mary Kay, c'est d'être une bonne élève puis d'aimer les gens, d'aimer aider les gens. C'est la seule qualité. Puis avant de partir, je vais vous dire une chose. Les cosmétiques ne tomberont jamais en récession. Hein? Ça, c'est sûr. Fait que c'est l'avenir de demain. Donc, c'est la plus belle job qu'on a. Wow! Merci beaucoup! Merci, Monia, d'avoir pris le temps avec nous. N'oubliez pas, les filles, hashtag cadeau, magnifique panier cadeau à gagner d'une valeur de plus de 100 $ pour un petit 15 minutes. C'est peut-être pour toi. C'est peut-être pas pour toi, mais écoute, au moins, tu vas avoir la bonne information. Voilà. Merci, Monia. Et merci. Merci de m'avoir invité, Nancy. Je vais te dire aussi. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Donc, voilà. Merci, les filles, d'avoir été là. Un petit hashtag cadeau et puis la chance de gagner le magnifique panier cadeau. Puis, écoute, ben, si tu le gagnes, ben, ça te fera 100 piastres de produits. Juste pour toi, gratuitement. Alors, j'espère que tu as aimé notre petite entrevue aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui de maquillage, mais je veux vous faire découvrir Mary Kay comme moi. Je le découvre, puis je trouve ça fantastique de vous faire voir ce volet-là. Donc, on se dit à mercredi prochain, 13 h, pour un autre Facebook Live. Là-dessus, je t'embrasse, je te dis bye-bye, et à mercredi prochain. Bye! Et là...